Dans le cadre de la poursuite des contrôles parlementaires, les députés provinciaux délégués par l'Assemblée provinciale pour faire le suivi du programme des réserves stratégiques alimentaires en cours ont été conduits ce dimanche 14 avril par le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouimoukondi, sur le site Sakamo, situé dans le groupement de Bakonsumba, secteur Movunkatia, dans les territoires des Miabi. Ces champs s'étalent sur une superficie de 100 hectares qui ont déjà produit 100 tonnes de maïs récoltées dans le cadre de la saison agricole A de l'année 2022, stockées dans ces deux greniers. Jean Bayabitanilaï et Mukendi Kabeyate Mecha ont palpé de leurs propres yeux les combats que mènent les gouvernements provinciaux pour endiguer la crise alimentaire au Kasaï oriental. Convaincu par la qualité du travail réalisé, le député provincial Jean Bayabitanilaï indique que la quantité stockée est une réserve considérable qui reflète les travaux abattus. Donc c'est une réserve considérable. Je pense que ça reflète à suffisance le travail qui a été abattu. Ce que j'ai vu ici encourage déjà. Je crois que la variété plantée ici n'a pas été du tout bon enfant. C'est ce qui a impacté négativement la production. Mais sinon, le travail a été abattu. Je crois que même le responsable des tutelles, le ministre de l'Agriculture provinciale, lui-même, heureusement, il avait déjà constaté que la variété utilisée ici n'est pas bien et qu'il doit changer cette fois-ci en une variété que nous tous avons appréciée, ayant de l'expertise en matière. De son côté, son collègue Mukendi Kabeyate Mecha n'a pas mâché les mots pour louer les efforts fournis par la province. Pour éviter les retards, il propose le respect du calendrier agricole. Surtout le secal tout dit et le droit moko asumba même ndi chidim le mujari ke bimpene matala na shutu di to mona bune na buju ni biko abu bi mu yakani bi fila bi heta bimp. Pour sa part, le superviseur des travaux champêtres pour les comptes de ce site Sakamo a salué la volonté du gouvernement provincial d'avoir initié ce genre d'action dans les groupements de Bakonsumba en vue de combattre la crise alimentaire. Il sied de noter que d'autres maïs ont été plantés dans le cadre de la saison agricole B, qui vont être bientôt récoltés, à la plus grande satisfaction de toute la population de cette contrée.